Magella Roy habite dans sa maison à Frontenac depuis 14 ans. Avez-vous déjà eu des problèmes avec votre eau? Jamais. Jamais. Pourtant, l'été dernier, une firme mandatée par Transport Canada a testé la qualité de son eau. Résultat, elle n'était pas potable. Il me disait de faire bouillir l'eau. Puis donc, suite à ça, bien, ça m'a mis la puce à l'oreille. Puis j'ai fait faire mon test. J'ai fait mon test à Champlain-Ricette. Puis c'est tout. Là, je veux dire, le test était très bon. Ils ont dit, tu peux boire ton eau, pour moi d'avoir peur. Je ne sais pas, c'est peut-être parce qu'ils l'ont pris à l'extérieur au bout d'une hausse de 100 pieds. De voilà, la hausse avait traîné tout l'été, hein? Cette même firme a analysé l'eau de 80 puits à Frontenac. 60 % se sont révélés non conformes. Les citoyens nous appellent, ont dit l'eau n'est pas bonne. Et là, nous autres, on dit, oh, t'as peu, comment ça? Surprise, la municipalité a fait ses propres analyses chez 5 résidents où c'était problématique. On a fait prendre des tests, on a fait analyser les tests et les tests d'eau sont revenus, l'eau était conforme. Ça, c'est par votre opérateur à vous? Notre opérateur d'eau potable. Mardi dernier, le conseil municipal a adopté une résolution. Il demande à Transport Canada de payer pour une nouvelle série de tests qui serait fait cette fois-ci par l'hydrologue de la municipalité. Si c'est si important pour la population de Frontenac, c'est parce qu'elle dit avoir reçu la garantie de Transport Canada que la qualité de l'eau potable sera la même avant et après la construction de la voie de contournement. C'est un peu curieux. C'est un peu curieux que Transport Canada tripote un peu les résultats comme ça. Pensez-vous que ça a été fait intentionnellement ou c'est une erreur? J'espère que c'est une erreur. Mais du côté de Frontenac, ce qu'on veut, c'est se blinder, on veut corriger l'erreur. De là, la demande de le faire par notre hydrogéologue. La communauté attend une réponse de Transport Canada. N'importe quel temps, ils peuvent venir faire un test. C'est sûr que ça va passer. S'ils font comme du monde, c'est ça l'affaire. Jasmin Dumas, TVA Nouvelle Frontenac.